Salut à tous, c'est Néo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc là, les gars, c'est un glitch pour mon TCRP en illimité. Vous pourrez gagner 12 millions d'RP en une heure, donc c'est juste énorme. Du coup, juste pour information, avant que des gens me disent, ce n'est pas moi qui ai trouvé le glitch, juste que j'ai marqué exclu car personne n'a encore fait le glitch. Sur YouTube, alors que je tourne la vidéo, peut-être que quand je la sortirai, des gens l'auront fait. Alors que je tourne la vidéo, personne ne l'a fait. En tout cas, un grand merci à vous tous pour les 10 800 abonnés. On a monté plus de 200 abonnés hier, c'est juste énorme. Les gars, plus que 200 abonnés et on est déjà aux 11 000. Les gars, go rush les 10 900 et go rush les 11 000 abonnés avant ce week-end. Je compte sur vous. Donc, pour commencer, le glitch. Du coup, vous devrez déjà vous rendre en session sur invitation. Et vous devrez mettre votre point d'apparition aléatoire. Donc vous faites pavé tactile, vous descendez, vous allez dans apparition et vous mettez aléatoire comme moi. Ok? Donc vous devrez aussi posséder un personnage du mode histoire. Et vous devrez aussi avoir un ami qui vous aide. Du coup votre ami lui, il devra être en session sans invitation. Et il devra lancer un travail de titan. Ok? Il faut vraiment qu'il lance l'activité, il faut pas qu'il reste dans l'accueil. Faut vraiment qu'il fait lancer un travail de titan. Ok? Du coup, une fois tout ceci préparé, vous êtes prêt à commencer le glitch. Du coup, c'est parti, let's go! Allez, hop! Donc là, pour commencer, je suis bien en session sur invitation et j'ai bien mon point d'apparition aléatoire. Vous avez vu? C'est nickel. Du coup, maintenant, vous allez vous rendre en mode histoire. Ok? Allez, hop, c'est parti. Donc, une fois que vous êtes rendu en mode histoire, donc là, il faudra que vous attirez la police. Il faudra que vous ayez une étoile, ok? Pas deux, pas trois, pas quatre, que une étoile. Dès que votre joueur lève les mains, vous faites start en ligne et vous mettez votre curseur sur choisir personnage. Une fois ceci fait, vous faites bouton PS, vous allez dans paramètres, vous allez dans réseau et vous décochez la case se connecter à internet. Une fois décochée, vous la recochez comme moi. Vous faites bouton PS et vous revenez sur le jeu. Là, vous faites une fois flèche du bas, une fois flèche du haut. Là, vous allez voir le menu qui apparaît grisé, comme vous avez vu. Du coup, maintenant, vous allez spam une fois la flèche du bas, une fois flèche du haut, juste à temps que le menu soit redevenu normal. Ok? Dès que le menu est redevenu normal, il faudra que vous ayez votre curseur sur choisir personnage et vous faites deux fois le bouton croix dessus et vous allez avoir un message d'alerte. D'accord? Allop. Là, on fait une fois flèche du bas, une fois flèche du haut. Dès que le menu est redevenu normal, vous faites deux fois le bouton croix sur choisir personnage, comme moi. Allez hop, c'est parti. Deux fois bouton croix. Tac, nickel, vous allez voir, regardez. Boum. On a bien un message d'alerte. Du coup, une fois qu'on a le message d'alerte, là, vous allez rejoindre votre ami qui se trouve en travail de titan. Allez hop, on rejoint. Là, on attend 8 secondes. Donc, allez hop, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et à 8 secondes, on va accepter les deux messages. On fait croix-croix. Là, on re-rejoint notre ami en travail de titan. Du coup, là, on aura un message d'alerte comme quoi la session est privée. Et là, on attend 20 secondes. Une fois qu'on a attendu les 20 secondes, là, on va pouvoir accepter le message. Et dès qu'on accepte, on re-rejoint de nouveau notre ami en travail de titan. Allez hop, on rejoint. Là, on aura message d'alerte de nouveau. Et là, sur ce message-là, on fait rien. On attend. Et le message va disparaître tout seul. D'accord? Vous allez voir, regardez. On touche plus rien et le message va disparaître tout seul. Une fois que votre message a disparu, là, vous allez avoir un chargement dans les nuages comme quoi accès à GTA Online. Et dès que vous allez spawn en mode en ligne, vous allez avoir encore de nouveau un message d'alerte. Et là, cette fois-ci, il faudra le refuser. D'accord? Allop. Message d'alerte. Là, on le refuse. Et regardez, boum! J'ai bien spawn en mode en ligne avec le personnage du mode histoire. Et mon perso du mode en ligne est devenu un PNJ. Du coup, maintenant, vous allez vous diriger vers une péote. Vous allez faire la flèche de droite sur la péote. Puis directement start en ligne et trouver une nouvelle session, comme moi. Là, vous allez avoir un chargement dans les nuages assez long, ok. Et après, vous allez spawn
en mode en ligne avec un chargement buggy. Vous allez avoir une petite caméra buggy. Du coup, une fois que vous allez spawn et que vous avez la caméra buggy, il faudra faire start, aller dans l'onglet en ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar, mission, et vous lancez par exemple un travail de titan. Une fois rendu dans les paramètres du travail de titan, là il faudra directement faire rond et quitter le travail de titan. D'accord, allez hop, là on a bien spawn dedans, là on fait rond et on quitte. Donc si vous avez un message d'alerte comme quoi votre il faut héberger, vous faites rond pour héberger, et une fois rendu dans les paramètres du titan, vous faites rond pour quitter. Une fois que vous avez quitté, là vous allez spawn en mode en ligne en session publique avec votre personnage du mode en ligne cette fois-ci. Regardez, boum, c'est nickel. Et là vous êtes bien en argent freeze. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pas l'argent freeze, mais bien pour gagner de l'RP en illimité. Du coup là, vous allez vous diriger vers une figurine ou une carte ou un brouilleur de signaux. Moi, pour apparaître une figurine, du coup je mettrai en description le lien de ma vidéo où je montrerai toutes les figurines sur la map, d'accord? Alors, une fois rendu à une figurine, là vous allez vous approcher de la figurine et vous allez la ramasser, d'accord? Allez hop, c'est parti, là on la ramasse. Et regardez, vous allez voir. Franchement, vous n'êtes pas prêt, regardez. Boum, regardez. J'étais niveau 81, regardez. Je monte extrêmement vite en niveau. Je suis déjà niveau 84, c'est juste énorme, les gars. Du coup, qu'en profiter un maximum. Regardez, je suis déjà niveau 85. J'ai monté 4 niveaux en même pas 10 secondes. C'est juste énorme. Donc, les gars, c'est un glitch de RP énormissime. Du coup, qu'en profiter un maximum avant qu'il soit patché. Du coup, maintenant. Vous allez attendre que vous gagnez plus d'RP. Une fois que vous gagnez plus d'RP, là il faut refaire start en ligne et vous allez lancer un travail de titan. D'accord? Une fois que vous êtes rendu dans le titan, il faudra juste faire le bouton rond et quitter. Et vous allez voir que la figurine sera encore là. Du coup, vous pourrez encore la ramasser en illimité. Du coup, regardez, je gagne plus d'RP. Du coup, je fais le bouton start. Je vais dans l'onglet en ligne. D'accord? Allez, c'est parti. Bouton start, on va dans l'onglet en ligne, on fait activité, joue activité, créé par Rockstar, on fait mission et on lance par exemple un travail de titan. Là, on lance, donc là, une fois rendu dans les paramètres du titan, il faudra juste faire rond et quitter, d'accord? Donc, si vous avez un message comme quoi voulez-vous héberger, vous faites rond pour héberger, d'accord? Du coup, alors, là, on fait rond pour quitter. Et vous allez voir que la figurine sera encore là. Et vous pourrez la ramasser encore une fois. Et vous faites ça en illimité. Et vous montez vos niveaux en illimité. Franchement, vous pouvez gagner 500 niveaux en une après-midi facilement. C'est juste énorme comme glitch. Regardez comment je monte extrêmement vite en niveau. Donc là, j'ai une petite coupure. Et on se retrouve après. Donc là, allez hop, on se retrouve après. Je suis niveau 200, vous avez vu. J'ai commencé, j'étais niveau 81. Et là, je suis déjà niveau 200. C'est juste énorme. En même pas 20 minutes, c'est juste énormissime. Du coup, maintenant pour enregistrer vos niveaux dans le jeu, vous allez faire pavé tactile et vous allez vous suicider. Ok, c'est très important de faire ça. Il faut que vous mouriez. Une fois que vous êtes mort, là vous ne serez plus en argent freeze, d'accord? Du coup, maintenant il faudra que vous gagnez de l'RP légalement pour enregistrer vos niveaux dans le jeu. Vous allez par exemple braquer une petite supérette. Là, ça vous fera de l'RP légalement. Du coup, une fois ceci fait, vous pourrez quitter l'application et relancer votre jeu. Et vous verrez que vos niveaux seront encore là et ce sera bien enregistré. Du coup, en tout cas, les gars, go! Les 11 000 abonnés, je compte sur vous. Plus que 200 abonnés et on est déjà aux 11 000, c'est juste énorme. Du coup, moi, je vous laisse sur ce gameplay, sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao!